Hello là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo qui consistera à vous parler de mes examens, de mes révisions à moi, comment je révise et comment vous pouvez peut-être faire comme moi ou pas. En tout cas je vais vous donner quelques petits conseils qui m'aident vraiment pour réviser et puis voilà. Je voulais m'excuser pour la vidéo précédente où j'étais un peu trop stressée même. Et je disais beaucoup, voilà, et je regardais pas vraiment la vidéo, la caméra, pardon. Comme maintenant, là, je trouve toujours quelque chose à voir pour ne pas voir directement. Mais avec le temps, je pense que ça va passer. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais de gros bisous. Bon visionnement. Pour ma part, je préfère un endroit qui est bien rangé, comme ça au moins je ne serai pas distraite par un objet qui n'est pas à sa place. Alors, comme vous pouvez le voir, là je suis en train de faire mon tableau d'examen pour l'épingler en face de moi et avoir une vue d'ensemble de toute la semaine où je vais, qu'est-ce que j'aurai comme module tel jour et tel jour, comme ça je ne me perds pas trop. Et après, je vais écrire trois lignes que vous n'allez pas bien lire, mais bon, c'est la première, c'est les modules que j'ai bien assimilés. La seconde, c'est des modules où j'ai pas trop révisé et que je dois réviser. Et la dernière, les modules que je n'ai vraiment pas encore révisé. Et c'est des codes couleurs, quoi. Quand je dis se mettre à l'aise, c'est-à-dire vous pouvez avoir à disposition de l'eau, des biscuits, comme ça vous n'avez pas à trouver des excuses à vous lever pour telle et telle chose, vous avez faim, vous levez. Ayez tout à disposition et aussi mettez un peu de musique qui peut stimuler votre capacité mentale, on va dire ça comme ça. Et puis je vous mettrai toutes les musiques que vous entendez sur cette vidéo en barre d'infos. Il faut savoir qu'après une vingtaine, trentaine de minutes, il faut arrêter parce que le cerveau surchauffe. Il faut faire une petite pause de 5 minutes, 10, peut-être 15 minutes à tout casser. Mais comme ça, ça vous permettra de respirer un peu, de ne pas avoir l'air d'avoir fait une corvée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou du moins vous a aidé pour vos révisions. Quant à moi, je vous fais de très 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 gros bisous et à très bientôt. Bye!